match autant décisif pour les deux équipes au vu de l'enjeu. La première place au podium pour cette manche aller des playoffs. Dès le coup d'envoi de la partie, Sangabalende met les pieds sur l'accélérateur et assiège les camps de Moscovite. Les enjeux par Boukassa, Dinemar dans le couloir droit, effraient la défense des Quinois qui s'en sortent tant bien que mal. Des actions dangereuses qui étaient suivies des contres des Verts et Noirs, profitant de certains espaces dans les camps de l'équipe de Mbujimayi. Mais l'issue de cette rencontre aurait été décidée par l'arbitre central du jour, l'OPMB de la province orientale. Alors que les visités avaient la même mise sur les jeux, sur un ballon dans la surface des réparations, Padou Bomponga stoppe la trajectoire du cuir. Un dégagement pour Sangabalende. Attention, et là il a touché de la main. Oh là là, il a touché de la main, c'était visible. Et là finalement l'arbitre accorde un corner au profit de Sangabalende. Donc une main indiscutable que donne Kevin. Pas de sifflet de la part de l'homme en noir alors qu'on joue la deuxième moitié de la rencontre. Le jeu se poursuit. Kayeme Mukendi, qui avait peut-être la balle des matchs, va la mettre au-dessus de la cage de Nelson Lukong. Possédant du répondant, l'AS Vita Club butera à chaque fois sur la défense des locaux et leur potier Ngele Kakatembwe. Au coup de sifflet final et sur les scores des 0 buts partout, le public venu nombreux va quitter ce stade Chikisha dans un climat paisible et de fair play. Les réactions, les deux entraîneurs, on prend d'abord Florent Albengue.